Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que le confinement se passe pour le mieux pour vous, alors pour vous changer un petit peu les idées, euh, dans la joie et dans la bonne humeur, bien évidemment. Petite revue Transformers aujourd'hui, donc consacrée au studio série 07 Grimlock. Alors oui... La revue est un petit peu tardive, sachant que le personnage est sorti il y a déjà deux ans. Euh, mais comme beaucoup le savent, donc je suis fan de Transformers, mais les movies ne sont pas non plus euh, ma, ma collection de prédilection, puisque voilà, je vous un amour de par mon âge et ma génération. Donc pour les générations 1 et pour toutes les gammes Generations, y compris donc les Earthrise et puis euh, les Siege, notamment, mais, euh, voilà, néanmoins, donc, c'était un, voilà, ce, ce, ce petit père Grimlock euh, me faisait de l'œil. j'aime beaucoup le personnage, je trouve que dans le movies, il est vraiment badass, et, voilà, le seul frein, donc, que j'ai eu, à l'époque, concernant l'achat, c'était tout simplement le prix. Donc, pour celles et ceux qui ont regardé mes derniers, euh, ou mes précédents unboxings, euh, vous savez très bien, donc, que j'ai eu l'occasion de le trouver dans un vide-grenier permanent, neuf 100, 9 en boîte pardon au prix donc de 15 euros et eh oui 15 euros alors là bien évidemment donc je n'ai pas pu faire autrement que de céder de craquer voilà euh, de me laisser tenter et euh, le voici enfin bien donc voilà aujourd'hui je vais vous faire partager un petit peu ce petit personnage je vais vous dire également ce que j'en pense et puis bah voilà je crois que j'ai tout dit donc c'est parti ouais me Grimlock Me King Allez, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure! Ciao Et commençons tout de suite donc, par, un un, par un petit aperçu de la bois boîte, donc bois boîte classique et traditionnelle, donc à cette gamme Studio Series. On nous indique bien qu'il s'agit du numéro 7 de Grimlock, tiré du film Age of Extinction, voilà le quatrième de la série. Et euh, je ne vous mens pas, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu mon unboxing, alors je vais voir. Si ça peut passer à la caméra voilà je l'ai bien touché donc à 15 balles voilà sur la tranche latérale droite donc euh, une sorte de d'artwork voilà de notre Grimlock dans sa toute sa splendeur et sa férocité sur la tranche latérale gauche ça ne change pas la même chose avec l'indication donc il s'agit d'un leader class donc échelle leader class. Et au dos de la boîte, voilà, rien de bien nouveau, comme, tout pour, les, comme pour tous les transformers, le traditionnel et sans sempiternel produit commercial, donc notre Grimlock sous sa forme robot, et sous sa forme robot, pardon, et sous sa forme donc alternative. Euh, donc bien sûr, ça ne change pas du G1. On retrouve donc notre bon vieux Triceratops. Voilà pour la boîte. Nous retrouvons également donc le petit diorama qui fait office de petit, voilà, de petit stand. Petit diorama donc euh, classique également à cette série studio Series. Dommage qu'il n'en fasse pas autant d'ailleurs pour les autres parce que c'est quand même pas mal. Voilà sur lequel donc nous retrouvons cette magnifique photo euh, issue de la course poursuite donc qui a lieu à Hong Kong euh, donc quasiment oui, à pratiquement à la fin de à la fin du film. Voilà donc pour ce petit diorama et nous retrouvons bien évidemment la notice. Et voici tout de suite, donc, un petit 360 de notre Grimlock sous son mode T-Rex ou plutôt Triceratops chez nous. Voilà, que dire. Voilà, il est absolument majestueux, fantastique, formidable. Il a de la gueule, il a du charisme. Voilà, ce mode est absolument sublime. Une très très jolie représentation, donc, du Grimlock tel que nous le voyons dans le film. Et contrairement, donc, aux versions Age of Extinction qui étaient quand même euh, vraiment voilà de, de qualité euh, médiocre, de très jolies finitions de peinture euh, voilà de coups d'effet de griffes de combats, voilà ça ça lui donne également donc un air super badass. Et j'ai également donc réalisé un petit un petit custom repaint dessus. Alors pas grand chose. Hein, je ne sais même pas si ça va se voir à la caméra. Mais voilà, j'ai passé un petit peu de, de chrome sur certaines parties, notamment donc les dents, euh, les griffes, les pattes, et puis donc les petits picots euh, au niveau de la queue. Voilà. Donc on va revenir tout de suite après. Mais voilà, donc déjà un aperçu vraiment absolument fantastique de cette figurine qui n'en est pas moins. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les petits détails, justement, qui viennent habiller de fort belle façon ce personnage emblématique. Et également, donc, un petit aperçu du petit custom que j'ai réalisé dessus. Vraiment, donc, la finition est absolument superbe. Nous avons même les yeux juste ici en rouge. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Hein, mais vraiment, voilà, avec son 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 air menaçant, terrifiant, pas mal de pièces mécaniques également. Donc, euh, pour rappeler que c'est un c'est un c'est un robot également. Euh, comme je vous disais, donc toutes les dents que j'ai chromées, voilà, pour que ça ressorte davantage. Hein, je n'aimais pas trop le, les dents en plastique mou euh, colorées dans la masse. Hein. Les petites griffes également, donc que j'ai eu euh, l'occasion voilà, de, bah, voilà de, de, sur le, de passer un petit coup de, un petit coup de chrome. Oula, je vais y arriver. Les papates aussi. Voilà, sur lequel j'ai passé du chrome. Voilà, pour rendre le personnage un peu plus euh, vibrant. Alors, on aperçoit également donc, euh, les dents de l'autre partie de la tête qui sont bien évidemment elles aussi en chrome. Ainsi que les petits picots à l'arrière. Voilà pour ce qui est du, du custom principal. Sinon, voilà, je vous laisse vraiment admirer le travail qui a été effectué hein, sur ce, sur cette figurine. Le travail est absolument remarquable, que ce soit au niveau euh, des détails, des moulures, des sculptures, de l'échelle, de la robustesse des plastiques, du poids de la bébête. Ça, ça fait bien plaisir, surtout pour du Studio Series. Vraiment, que dire Voilà. Euh Hasbro nous, 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 nous présente là vraiment une pièce absolument somptueuse, hein, quel que soit l'angle de de le, dans lequel je le présente. Voilà, on voit qu'il est absolument voilà, sensationnel et également donc terrifiant. Voilà, hein, qui s'y frotte si pique. Grimlock n'est pas réputé pour sa patience et, <laughs> et son côté sauvage est plutôt mis en avant en général. Voilà un petit peu pour cette, pour cette pièce absolument magnifique. Petite photo de famille à présent de mes quelques Grimlock disponibles sous la main. Donc bien évidemment notre bon vieux et précieux Génération 1 hein, sortie en 85. Une version bootleg mais néanmoins de très bonne qualité. Tant au plastique mais également du fait que tout comme le G1 donc, il possède des pièces en métal. Donc euh, voilà, un petit bootleg, non pas de la version euh, Transformers, mais de la version originale Diaclone de chez Takara, avec sa petite corne, sortie dans les années 80, euh, dans la gamme Prehistory Animal. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus bah, Déjà que c'est une pièce extrêmement recherchée euh, des collectionneurs. Euh, son nom était donc le Tienosaurus, c'est pas évident à prononcer, mais voilà, en général on le surnomme donc le Cyborg. Godzilla. Nous avons également donc notre version Age of Extinction sortie en 2014, notre petit euh, génération 1 Takara dans la, ga de la gamme World Smallest. Nous avons ensuite donc le gros pépère juste ici le Keo Oversized Masterpiece Feral Rex. Nous avons le petit Robots in disguise sorti en 2015. Nous avons le Generations juste ici sorti en 2014. Et voilà, je crois avoir fait à peu près le, le tour de la gamme avec quelques petits gimmicks que j'aimais bien, notamment sur sur celui-ci. Alors je ne sais pas si ça se voit se voir à la caméra, mais vous avez voilà vous avez ses yeux et sa gueule qui s'éclairent. Voilà une pièce que j'aime toujours autant. Et puis donc petit gimmick qui était néanmoins sympathique à retrouver sur cette version euh, Age of Extinction, voilà c'était le fait de pouvoir ouvrir la mâchoire, blablabla, bla 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 bla. voilà petit petit gimmick qui n'est plus sur cette version là, mais bon voilà si on compare les deux, euh, que dire <laughs> Merci Studio Series. Et passons à présent à l'étape transformation, qui une fois de plus est absolument succulente. Extrêmement bien pensé, fun, euh, intuitive, vraiment de la très très bonne ingérie. Donc euh, voilà, vraiment pour le moment un hein, sans faute pour notre petit père Grimlock. Donc pour commencer, vous allez déclipser et abaisser la mâchoire inférieure. Vous avez les ergots mâles ici et les ergots femelles de chaque côté. Ensuite, vous prenez la tête. Vous la déployez vers l'arrière. Vous avez l'ergot ici qui va venir se fixer juste ici. Comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, vous venez, voilà, déloquer le bras, le sortir, faire une rotation comme ceci, venir placer la tête en arrière la bloquer ramener les papates comme ceci nous apercevons juste ici donc le point voilà déjà pour ce premier côté ensuite donc vous abaissez cette partie là alors je ne sais pas par contre j'ai un petit défaut sur le mien et je ne sais pas si vous êtes concerné aussi c'est que vous voyez ça a du mal à rester en place voilà et il n'y a pas je n'ai pas trouvé de, de système pour pour loquer euh, cette pièce là donc voilà c'est un peu floppy ça descend tout seul on va dire donc ensuite vous allez venir déloquer les cuisses de chaque côté comme ceci vous avez l'ergo mâle et l'ergo femelle ici même étape pour la seconde papate voilà quand c'est fait vous faites une rotation à 45 degrés hop là du buste. Ensuite, vous venez rabattre ces pièces là comme ceci et vous venez loquer ces deux pièces là respectivement de chaque côté. Ainsi, alors, je vais remonter un petit peu les jupettes. Voilà, et vous en profitez également donc pour les loquer à l'intérieur. Voilà, pour la première jambe pour la seconde alors, plus facile à dire qu'à faire. On vient bien loquer les deux ergots, ici et ici. Comme ceci. Voilà. Ça tient. Et c'est du solide. Ensuite, vous pouvez, voilà, rabattre la charnière du genou, venir placer le tout dans l'axe. Pour la première jambe, même chose. Pour la seconde jambe, vous pouvez rabattre à présent les genouillères que j'ai chromées également au passage. Ensuite, vous déloquez ces pièces-là, vous les mettez en place, vous faites une rotation comme ceci de façon à former l'avant du pied. Avant du pied que j'ai également donc chromé. On y reviendra tout à l'heure. Même étape ici. On déloque. Une rotation, on met en place, et voilà pour les jambes. À présent, il n'y a plus qu'à venir rabattre la petite jupette comme ceci, et de placer les extrémités correctement, voilà, pour que tout soit le mieux placé possible. Et hop, autre petit défaut, sur ma version, j'ai cette pièce-là qui a souvent tendance à se déclipser. Alors là encore, hein, si vous êtes concerné par ce petit défaut, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Donc voilà déjà, pour le bas, on continue en venant placer le bras dans son axe comme ceci. Alors pour le bras suivant, vous allez remonter ces parties-là et les loquer entre elles de façon à former donc la seconde tête, quand c'est fait, vous rentrez l'extrémité de la queue à l'intérieur comme ceci, vous faites une rotation du bras, vous déployez cette pièce-là comme ceci. Voilà, le second bras est en place. On passe vite fait à l'arrière en venant rabattre ces pièces-là comme ceci pour former une sorte de petite euh, voilà de petite cape ou euh, de petit dos de, de jupette. Ensuite, vous venez ouvrir cette partie-là. Alors, c'est pas évident de manipuler tout en restant dans l'axe. Alors, je vais essayer de me caler autrement et peut-être de prendre un petit peu de hauteur. Voilà qui est mieux. Donc, vous déloquez ces parties-là de la poitrine. Vous abaissez l'ensemble. Vous faites pivoter ce qui va former l'intégralité du torse de Grimlock en mode robot. On reclipse tout. Et dernière chose, on sort la petite corne. Voilà, que j'ai pris soin également de passer un petit coup de chrome. On met tout en place. On aligne tout comme il faut. Et voilà, mesdames et messieurs, notre superbe bête Grimlock dans son mode robot. Yeah! et petit 360 de notre Grimlock dans son mode robot absolument sensationnel, un véritable colosse carré, euh, imposant, charismatique. Il est voilà vraiment euh, on sent là une fois de plus qu'il n'y a pas trop intérêt à lui chercher des noises mais voilà vraiment le travail de finition est absolument superbe blanc encore quel que soit euh, le l'angle dans lequel vous allez euh, le regarder euh, l'admirer ou euh, ou l'exposer voilà absolument sensationnel une carrure d'enfer pour un colosse euh, voilà qui n'en est pas moins petit zoom à présent sur son visage là encore voilà extrêmement bien détaillé de toute beauté avec donc les yeux également en rouge et comme je vous le disais, hein, la petite crête, voilà, que j'ai pris soin de chromer. Voilà, un petit peu, hein, ce petit pépère. Admirez un petit peu ses détails mécaniques, ses finitions, ses moulures. Enfin, vraiment, le, le travail est exceptionnel. Voilà. Alors, la jupette, certes, a du mal à clipser sur la mienne. Enfin, du mal à, la, à tenir. Mais voilà, quoi, c'est vraiment voilà, du tonnerre. Les genouillères, comme je vous le disais, hein, que j'ai pris soin également de chromé ainsi que l'extrémité voilà, avant du pied voilà un petit peu pour les détails mis en avant et nous allons pouvoir passer à présent donc aux articulations alors, niveau articulation, là encore, c'est quasiment imperfect, surtout pour une figurine destinée donc au combat euh, rapproché et aux dégâts aussi qui vont avec. Donc, tout d'abord, vous avez la possibilité d'incliner la tête, voilà, de chaque côté. Vous pouvez également légèrement la baisser et la lever. Rotation possible également, mais limitée de par la forme du cou. Mais bon, voilà, c'est amplement suffisant pour se faire plaisir. La pub d'oeuvre. Alors, c'est là que ça pêche un petit peu. Voilà. Il ne pourra pas exercer un mouvement plus ample que celui-ci. Bon, c'est déjà pas mal. Hein, on le rappelle, donc c'est plutôt un guerrier et non pas euh, un ninja. Voilà. Au niveau de rotation du bras, pas de souci. Voilà, rotation intégrale avec ratchet au menu. Nous avons le coude que nous pouvons plier à plus de 90 degrés. Là encore, c'est pas mal du tout. Vous pouvez également, grâce au joint champignon, venir orienter de l'intérieur vers l'extérieur l'avant-bras. Le point est également pourvu d'une petite rotation. Pas grand chose de plus, mais voilà. Là encore, c'est entièrement et amplement suffisant. Le bassin, voilà, pivote. Là encore, quelque chose de plutôt très très correct. Alors, on va passer à présent aux jambes. Pour le grand écart GCVD, alors vous ne pourrez pas faire bien plus que ça. Mais là encore, voilà, c'est amplement suffisant pour un tel colosse. Euh, le grand écart, hop. Alors, on va remonter tout ça. Voilà le grand écart latéral. Là encore, c'est correct. Pas grand chose de négatif à ah, lui déplorer. Nous avons là encore un joint champignon qui permet une rotation intégrale du haut de la cuisse, une articulation du genou si vous le souhaitez. Voilà avec une amplitude optimum. Alors, bien sûr, esthétiquement, ce sera moins joli si vous voulez rester plus naturel. Voilà, là encore, on a. À 90 degrés très correct le pied peut pivoter de l'intérieur vers l'extérieur vous pouvez également le lever l'abaisser et puis donc voilà le pivoter également à 360 de par la transformation donc vous l'aurez compris en termes d'articulation il n'a pas à rougir malgré sa taille sa stature imposante voilà il est tout à fait maniable et de quoi vraiment se, de se faire plaisir à lui donner donc des poses dynamiques. Et pour conclure, petite photo de famille à nouveau donc de mes différents Grimlock à portée de la main. Cette fois-ci sous leur mode robot, excepté pour mon Feral Rex que voilà je laisse toujours donc dans son mode dans son mode dinosaure. Voilà un petit peu donc cette petite famille. Si l'on compare donc la version Studio Series avec la version Age of Extinction. <laughs> Il n'y a pas photo. Hein. Le miracle a eu lieu. Hasbro nous a attendu et nous a offert donc cet hommage absolument formidable au film. Voilà, les autres ne déméritent pas. Surtout notre bon vieux... Petit génération 1 et celui-ci aussi que j'aime vraiment beaucoup. Voilà un petit peu donc pour cette photo de famille. Je les retransformerai tous en Dinobots, en, enfin en version euh, Tyrannosaure, parce que voilà, pour moi, Grimlock, c'est vraiment dans ce mode-là qu'il est, euh, qu est, qu est le, le, le plus beau et, euh, et le, plus, euh, le plus imposant. Enfin, bref, voilà, ce n'est qu'une histoire de goût. Voilà donc pour cette petite photo de famille finale. Voilà, les petits amis. C'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, à l'excellentissime euh, Studio Series 07 Grimlock. Que l'on soit fan de movie ou même de G1 comme moi, force est de constater que, voilà, Hasbro a réalisé là un hommage absolument sensationnel à la fois à l'esprit du grimlock génération 1, en lui donnant un côté bien entendu euh, plus agressif et plus intimidant euh, qu'il est également extrêmement fidèle au film pour une fois nous avons de quoi nous faire plaisir au niveau du display le mien retournera vite donc sous sa forme tyrannosaure euh, voilà que, que je préfère avant tout mais vraiment voilà le boulot est là la qualité est là hasbro nous a vraiment gâté avec cette figurine deux ans pour l'avoir, finalement, bah, l'attente euh, n'en fut que, que meilleure, je dirais, une figurine que je, peux, que je ne peux, en tout cas, que vous recommander, euh, que dire d'autre, voilà, vraiment, euh, Hasbro a fait un excellent boulot, je le, ré, je le répète une fois de plus, je suis extrêmement heureux de le posséder, et du coup, donc, il fait partie, euh, sans aucun doute, de mes studio series préférées voilà un petit peu donc pour le topo pour mon, mon avis j'espère également donc que vous avez apprécié donc le petit custom et surtout pu le remarquer euh, à la caméra je ne sais pas encore ce que ça va donner au niveau du résultat j'espère que les chromes sont bien brillants et ressortez bien n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions vos avis concernant ce personnage surtout si vous aussi vous êtes affecté par les petits soucis donc, de fixation de l'avant et de la queue donc pour enfin euh, du, du bas de la queue pour le mode euh, le mode dinosaure voilà euh, bienvenue bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de collectionneurs et de fans donc de Transformers de robots et de jouets euh, transformables voilà euh, j'espère que vous vous plairez euh, avec nous deux gros bisous toujours bien évidemment donc au plus anciens toujours là fidèle au poste à m'encourager à me soutenir et puis voilà merci pour votre amitié. Merci d'avance également pour vos petits pouces bleus si vous avez apprécié cette revue, c'est toujours pour moi une belle récompense Voilà que de vous dire que dire de plus bah je vous donne rendez vous donc début de semaine prochaine. Pour une revue, je pense qui sera euh, axée sur un Super Sentai, un robot Super Sentai, voilà que que, que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis ben, on se reverra courant de la semaine prochaine. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un bon week-end, de bonnes vacances pour euh, celles et ceux qui y sont et qui vont pouvoir vraiment laisser le travail et les devoirs à la maison de côté. Profitez bien, reposez-vous bien et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss Ouais, allez, tchuss avec à la revoyure Allez, c'est à toi Grimlock Me Grimlock, me King Ouais <laughs> bon, bon, bon. Mais aïeuuu! Hey, bon d'accord, n'est pas Optimus qui veut. Ouais, allez, sans parti m'en vieux. Mais Grimlock Mais King Pum pum pum. Eh ouais, mec, moi je tombe pas. Pum pum, pum, pum pum Ah Ouais, je vois, je vois. Une fois de plus. Je me tais et je ne dis plus rien. Je constate juste que le papy, il a ses petites préférences. Ouais 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 ouais. C'est noté. I would have waited an eternity for this. It's over,